Comme tu dis, ouais. Allez, de retour à la maison. Salut, Hypnos. Oh, bah, maman, t'es pas repartie? I saw that Dusa had returned. I trust Nyx's judgment. Though I must admit, I was pleased to see she decided to give her another chance. Most definitely, yes. Comment il va, papa, là? Il a pas trop le seum, là? Pacts, without so much as seeking my consent, undoing terms that were agreed upon. Do you intend to undermine everything in this house, boy? Or only me? Comment ça, j'ai altéré un de tes propres pactes? Ah, avec Achille. Only you, father. Good thing I've inherited some of your fate-given authority, being your son and all. Otherwise, some of your most loyal subjects would be bound by exploitive terms for eternity. Terms that they chose themselves. Terms to the benefit of this house. What if Achilles were to leave his post for the green pastures of Elysium? What then? You could find a replacement, but it's a pointless question anyway, because he's here. He isn't leaving. He might even do better at his job now that he has increased ability to step away from it. A naive hope at best. The more you step away from your responsibilities, the less you shall want anything to do with them. Not if those responsibilities matter. Quel relou celui-là, hein. Chiant. The realm is strong. Coucou Nyx. Pride has been the failing of so many mortals, child, and has brought low members of your family as well. And yet, I am so very proud of you for what you have achieved. I wanted you to be aware of that. Oh, merci. That means a lot to me, Nyx. Though I never could have done any of this without your help. Even after I lashed out at you, after I learned the truth about Mother, you never stopped caring for me. You put yourself directly in harm's way, defying Father's will. Why do all that for me? I am eternally committed to this house. Long before your father came to rule, I was already here. When he arrived, I needed to do everything I could to keep order and establish with Lord Hades an agreeable relationship. But there is one more reason besides that. To get on better terms with the Olympians. They always used to frown on the underworld, but now that they know us, they seem much more willing to get involved and help with things. A reasonable guess, and not without some truth to it, but no, my child. My reason for helping you is simpler than that. It is because I love you. You may not be born of me, but I raised you like one of my own, and I have cared for you as I am capable. Nyx, I love you too. Thank you for everything. Adorable. Bonjour. Oh, hi. Mamounette. Mama Nyx. Salut, Douza. Hey, tu veux encore me faire une réflexion sur mes relations amoureuses? Me hang on to all that ambrosia you gave me before. It's in safekeeping now. Except one bottle. That kind of slipped and broke. So, that did mean I got to try the stuff. Quoi? Peux-tu répéter, c'est-à-dire, Douza? Non, ça, tu l'as fait tomber, après tu l'as goûté. Oh, you get to try it after all. What did you think, all it's cracked up to be? Lick de flanc. Elle a léché le sol ou quoi? Elle a sorti sa petite paille? It was amazing. I've never had anything like it. It's so good to have a forked tongue. Meant I could taste it twice at the same time. So, if one of the other bottles slipped and broke... Ah, ok, d'accord, je vois, elle s'est cassée. Oui, c'est ça, ouais. I wouldn't mind at all. Fais donc, casse autant de bouteilles que tu veux, Douza. I come to you bearing aquatic beasts. Belle pêche. Use them wisely, my friend. J'allais faire une blague horrible. J'allais faire une blague, j'ai honte, je la dirai même pas. Un diamant contre un sang de titan, allez pourquoi pas. Avec pêche, plutôt avec belle pêche. Genre vraiment l'ensemble, belle pêche. Mais Oh, Doom Dada, oui. J'allais dire comme Michel. Oh là là, la blague de la meuf qui a 55 ans, quoi. Putain. C'est horrible. Je me déteste.
Oh coucou Achille, tiens une petite, petite bouteille d'ambroisie là. Please enjoy, all right? I suppose this must be what it's like to be a god, lad. Being shown affection such as this, and getting offerings. Are you quite sure? Ouais, je suis sûre, ouais. Oh, I'm absolutely positive. I would never have been remotely prepared for everything I've had to face if not for all your guidance. And I don't just mean the violent stuff. Come now, lad. Admittedly, I was quite good at it, but I was nothing other than a killer. I would be wary of all my advice if I were you. See, that's why you give such good advice right there. Bien vu. Et ouais, j'ai 55 ans. Ah, bon, bah il nous reste un cœur avec Achille. Et du coup, Patrocle 2, parce qu'on n'a pas recroisé Patrocle. Mais avec Achille, on a bien avancé. What you've managed to accomplish, lad. When I was closer to your age, or the age you appear to be, all I wanted was glory. To be remembered forever. Look where that got me. I'm glad you know better than I did. So in pursuing glory, you think you lost it? Forgive me here, but I just disagree. I settled a family squabble. You single-handedly turned an entire war. A foolish war. Glory comes to those driven to excel in worthwhile pursuits. A happy side effect, not a goal unto itself. Though you don't need for me to tell you that. If not for all your training and advice, I wouldn't have come this far. You prepared me for this. Wasn't that a worthwhile pursuit? Must mean you got some glory after all then, right? Well, you got me there. On sait que les parents qui font des jeux de mots pourris en faisaient déjà à notre âge, ou on est voué à devenir pire? Ah, c'est une bonne question. Je pense que... ils en faisaient peut-être déjà un peu à la base, et puis après, plus le temps passe, plus tu fais des jeux de mots pourris. À mon avis, hein. Ça vient avec l'âge. Hello. Salut. C'est vachement froid comme, comme bonjour, je trouve, quand même. Mais bon, après, venant de toi, ça va. J'ai entendu que tu restais la Knave King's sentence. Je devrais être angry avec toi. Sisyphus doit être le seul mortal ever to have humiliated me. Mais Mother Nyx, she must have backed you, didn't she? We did what needed to be done. As much as father likes making examples out of wretched shades, an eternal sentence felt a little excessive in this case. Besides, Sisyphus isn't leaving anyway. Seems to have found his niche. Oh? Well, he's an odd one, through and through, I guess. As long as I don't have to deal with him again. Don't think you will. Ça va, il m'en veut pas trop. En vrai, il aurait pu m'en vouloir. Hein. Je revérifie vite fait pour les rangs. Ouais, non, c'est 3000. Hein. Ça annonce rien de bon. Oh, moi, je vais être infernal hein, quand j'aurai 50 berges là. Je ferai les pires blagues du monde. Ça va être catastrophique. Hein. Pas envie de me connaître à cette époque. Eh, hein. On a plus besoin de jouer de la musique. Mis à part pour notre propre plaisir personnel. Bon, on repart sur une petite run, les amis. Des 30 points. Ou est-ce qu'on se tente une chaleur 32? Est-ce que ce serait pas le moment, après tout? J'ai plus besoin de mettre la plume. On va remettre le trinket de Perséphone. Et je pense que je vais garder Mintos. Ouais. Je vais garder Mintos. Avec quelle arme je vais faire ma run 32? J'ai l'air 32, c'est un peu chaud, effectivement. Avec quelle arme je suis la meilleure? Avec la lance, on est d'accord. Hein. Care to join me out there? Arc. Tu te renarques là? Non, je pense que je suis quand même meilleure avec la lance, non? Allons consulter les oracles, ou plutôt la chambre administrative. Je crois que ma chaleur la plus haute, c'est à la lance. Hein. Greetings everyone. Attends, point jumeau 20?
Attends, j'ai jamais fait plus de 20? J'ai jamais complété plus de 20 en chaleur. Je pensais que c'était 25 mon record de chaleur. Jamais fini. Ouah, je suis choquée. Ah, je suis choquée de fou. Visiblement, c'est les points jumeaux, hein. Mais je sais pas, on a fait une belle run lance. Je me dis qu'en vrai, je suis plus safe avec la lance. Tu l'avais lose. Ah ouais. Je suis abattue. Eh ben écoutez, c'est pas grave. On se tente chaleur 32. C'est le moment de rattraper cet affront. Effectivement, hein. Chaleur 32, on le rappelle, pour pouvoir débloquer cette beauté. Cette magnifique statue de Thanos. Alors, on part comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on va mettre avantages sociaux. Je masque ma cam, merde, pardon. Je masque ma cam pour que vous voyez un petit peu mieux les détails de chaque châtiment. Donc, avantages sociaux, plus 1. Calisthénie, c'est pas très worse. On va mettre cadre intermédiaire. Douane des enfers. Contrôle de routine. Assurance vie 2. Délai serré, ça va être chaud. On va mettre processus d'assentiment. Je pense que je peux mettre... dur labeur plus 1. On peut tenter un délai serré, ouais. Ok, on est à 28. Et si je remets un petit avantage social... Est-ce qu'on peut tenter calisthénie? Vas-y, on se tente calisthénie. Mes ennemis ont plus de PV. Ça nous fait chaleur 32. J'ai pas mis cadence infernale parce que je sais pas jouer avec. J'ai pas mis sécurité renforcée parce que je sais pas jouer avec non plus. C'est les deux seuls que je n'ai pas mis. Sinon, j'ai mis un peu de tout. Bon bah... C'est parti. Allez. I'm ready. Je sais pas si je suis prête, mais on y va quand même, hein. Ever again. The power in that spear could tear you to pieces finer than the ones to which some of your ancestors were once reduced. Cadence infernale, ça devient un enfer aux sticks, ouais. J'ai du mal avec cadence infernale. Ok, ça commence avec Zeus. Maïchi croise une bénédiction héroïque minimum. Ah, bénédiction héroïque, on rappelle, c'est la bénédiction de level max. Les bénédictions rouges. Ou alors légendaire. Légendaire, ça compte aussi. Allez, belle prédit. Zeus, tu peux arrêter de parler de ma mère, s'il te plaît? Est-ce qu'on se retente une frappe foudroyante ou alors tir foudroyant? Ça dépend si on va croiser Dionysos ou non. On va prendre frappe. Un peu comme tout à l'heure, mais bon, après tout, c'est... On garde les bons builds. Ok, Zeus à nouveau. Come on, you. Un petit état choqué. Allez. Allez, on trace, hein. Le tartare. On perd pas une minute. Good, good, good. Thank you.
Phew. Ok, ensuite c'est grenade. Mmh, ouais, Osef. On va avoir un petit portail de chaos, sinon c'est quoi ? Ouais, vas-y, on va prendre chaos. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ironie favorable. Brume prospère. Brume prospère, c'est Tandax, mais en même temps, 30% de plus pour les oboles. C'est pas mal, vu que j'ai... vu que j'ai frais de commodité. Ça vient un peu compenser. Mais après, ironie favorable, c'est bien. Bah c'est ça, ça snowball bien, Brume prospère. Et 4 chambres. Où les récompenses sont cachées. Bon, après, s'il y a bien un endroit où on peut le faire, c'est dans le tartare. Hein. Parce que généralement, il n'y a pas beaucoup de choix dans le tartare. C'est souvent... tu sors du room, d'une room, t'en enchaînes une autre, quoi. Aïe. Oui, Osef. Gauche, droite. Allez. Attendez, si elle croise une bénédiction héroïque, mais... qui est cancel, ça compte ou pas? En vrai, ouais, ça compte. Wouahaha! Oh, Aphrodite. Bisous Célestin, bonne soirée à toi aussi. Même si elle est pas cancel, mais que Maë prend autre chose. Oui, par exemple. Le truc, c'est juste de voir apparaître un truc héroïque ou plus. Allez, technique brisqueur. Hein. On repart sur le même build que tout à l'heure. C'est exactement le même. Je sais pas ce que ça fait, les petites ondes bleues là qu'ils ont. Aïe, mais quelle nouille! Mais trop fast le man! Putain. Ok. Oh, merci beaucoup! Merci Docteur Amixam pour le raid. Squalala tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes sur ADS. Attention, vous arrivez sur la run très très caliente. On est en chaleur 32. C'est la merdouille, on doit se dépêcher, c'est Tandax. Vous arrivez sur un moment pas du tout chill. Comment ça va? Salut Casual Woozy, coucou Docteur Amixam, ça va bien? Vous faisiez quoi de beau? Bienvenue à tous en tout cas. C'est parti, j'ai 5 PV, tout va bien. Oh non, je déteste cette room en plus. Avec tous les pièges là. C'est un peu l'enfer. Allez, je prends mon temps. Allez, hein. Ah ouais, non, c'est impossible, il y avait trop de mobs là. Ah, mais c'était des dupes. Vas-y, je vais prendre la vie quand même. Perdre un peu de temps pour prendre la vie.
est où le dernier? 47 PV. Je gagne un tout petit peu de vie. Allez, cœur de centaure. Bonjour. Ok. Ensuite, c'est j'aime. Il nous reste 4 minutes dans le tartare là. Et je crois que c'est l'avant-dernière room là. Non? Après, c'est quoi? Ouais, c'est sa chambre 12. Puits de Caron, on s'en fout. On va aller voir Caron directement. Ok. Bien, on va prendre Artemis. Ah ouf, je vais reroll. Oui! Bon, par contre, il est à chier. Il est haché, il est en commun, mais ça se prend quand même. Ah, salut Caron. Désolé, je t'ai pas dit bonjour. Yo Powell, ça va? Ah, Sisyphone. Ah, elle ferait presque une phrase en vrai. Hein. Salut Kakashi et CG Blue, ça va? Dites-moi, c'est un studio français qui a fait Hades, non? Non, hein. Non, hein. Hades, le studio, je pense que c'est américain. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, c'est américain, ouais. Supergiant. San Francisco. Pur américain, quoi, en fait. Américain pur sang. Tout à fait. Yep, yep, yep. Ouais, ouais, non, c'est américain. No, wait, just the first part. No murderer, just Zagreus. Or, let's see, how about happy? You say happy? Très optimiste, Zagreus, hein. Murderer. That's not happy. Zagreus, passion à orthophoniste. Aïe. Aïe. J'aurais jamais dû charger. Bon, ça va. Ça va, on faisait des bons damage quand même. Il nous reste 2 minutes 40. Ça va. Toujours ça de gagner. Ouais, un peu, ouais. Oh. Ouh. Bah tant pis, hein. En vrai, est-ce que je prendrais pas le trinket d'Athéna? Ah, mais oui. Mais le problème, c'est que si je prends le trinket d'Athéna, on est d'accord qu'après, je peux plus prendre le trinket de Perséphone? Non? Y'a pas un bail comme ça? Ou quand tu retires un trinket, tu peux plus le reprendre après plus tard.
Parce que je prendrais bien celui d'Athéna pour rencontrer Athéna. Eh ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est chiant. J'aimerais bien croiser Athéna, en fait. Bon, bah, il y a juste à prier, quoi, en fait. Ah, merde! C'est vrai que je dois purger quelque chose. Parce que là, j'ai quoi? Bah, je vais purger la technique brisqueur. C'est vrai que j'ai pas trop de trucs trash tier à purger. Tu peux pas reprendre un trinket que tu as déjà pris. Eh ouais. Donc, chiant. Chiant, chiant, chiant. Bon, il faut que j'arrive à me faire un build là, par contre. Et au bol pour commencer. Et voilà, j'ai pas trop de build. Hein. Ça va commencer à se compliquer. Plus les mobs, c'est des sacs à PV. Je pense que je vais spammer un peu mon appel. Trop lente. Salut Vildette, ça va bien? C'est donc à cause de ce stream qu'on meurt de chaud. Pardon, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui crée la canicule. C'est pas vrai. Ok, bah allons voir Eurydice. Salut. Oh, elle veut me parler. Orphée me dit la reine. She's been settling in just fine down at your house. Must be different having a lady like that around. How's Hades Senior taking it, if I may ask? Plutôt bien. Oh, he's taking it about as well as he's taken anything ever now that you mention it. Still very much himself, mind you, but still, it's been a welcome change. Glad to hear it. Orphée always likes singing for an audience more than I did, and it sounds like she's a good one. Je vais prendre le nectar rafraîchissant. Yep. Ça aidera pour la prédire en plus. Wow, that's good. Wow. Wow. Bon, Hermès. Hermès, en plus, si je peux te donner une petite ambroisie, ça pourrait être chouette. No. Aïe. Oh, putain, les 30 damage là. Envie de crevette. Par contre, réellement envie de crevette parce que j'ai faim. Non mais pas comme ça, je voulais pas vraiment crevette. Salut Persinoop, ça va? Merde, j'ai oublié l'ambroisie! Non! Oh! 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 Esquive maximale, par contre, en épique, ça fait plaisir. Ah, service rapide, c'est bien aussi. Ah non, je suis deg pour l'ambroisie. Chaos, non, mais ça suffit, hein. Ça ira. En plus, on a Déméter. Déméter. Oh! Non, attendez. Ah, attendez. Parce que là, j'ai deux dilemmes, là. J'ai un dilemme. Je vais voir Déméter. Comme ça, je suis sûre d'avoir un boon avec Déméter. On va pas le lancer. Mais, il y a Chaos et il y a la passe squelettique. Donc, ça veut dire que si je vais chez Chaos... En achetant la passe squelettique, il y aura un poisson là-bas. Sachant qu'il me manque un poisson dans mon poisson d'ex. Un poisson de chez Chaos. Alors après, ça veut pas dire que ce sera le poisson que je cherche.
Ah, pas tous les jours, tellement c'est dur. Bah ouais. On est sur la fin de stream, non pas vraiment là. Ah. Oh, trop belle la Calamitrée. Mais du coup, alors... Il y a un truc qui me titille. C'est que vous savez, il y a des poissons. Si tu les pêches rapidement, tu vois, ça fait une pêche, une jolie pêche, une pêche excellente ou des trucs comme ça. Et en fonction de si c'est une pêche excellente ou non, ça te donne des poissons différents. Donc par exemple, typiquement la carpe, je crois que c'est une pêche excellente ou un truc comme ça. Mais du coup, là, je sais pas pour Chaos. Parce que est-ce que j'ai déjà eu la pêche excellente? Donc est-ce que je dois juste prendre mon temps pour pêcher et du coup avoir des chances de tomber sur le poisson que je n'ai pas encore eu? C'est ça, en fait, il faut le timing adapté au poisson qu'on cherche. Bon, vas-y, je vais quand même tenter le coup. J'ai dû faire genre 100 runs pour l'avoir. Hit me. Hit me. Oh, j'ai peur. Come on out. Non, je l'avais déjà. Je suis dégueu. Bon, pauvreté cupide, torture éclipsée. Bon, pauvreté cupide. Oh, ouf. Artemis. Oh non, Poséidon. Poséidon toute la vie, j'ai pas d'élan. Et Artemis, en vrai, j'ai déjà l'appel, donc ils ok. Hein. Aïe. Oh, elle s'est TP la coquine. Allez l'élan, pitié. Nice to see my brothers getting on again, just like old times. Well, not exactly like old times, and come to think of it, there always was a bit of tension there between those two, but still, it's better than before. Oh oui, l'élan marin, on est pique. Exceptionnel. Là, ça va nous faire du bien. On va souffler un petit peu. Salut. Attention, il me reste que 30 PV, je me prends un coup, je suis morte. Dur. Ça, on s'en fout. Oh, une petite Athéna, là. Ah, c'est chambre 22. Après, c'est l'hydre. Salut. Tu vends pas de bouffe, c'est génial. Tir exalté, c'est quand même à chier. Hein. Y a pas à dire. Je pense que je vais reprendre la technique brisker. Ah! Bon. Ça
Ça va être chaud. How's the old neck holding up? Après, on a quand même Zeus Poséidon. Donc on a une possible tempête tropicale, en vrai, en arrière-boutique. Il est où mon lancer? Ah putain, il était là. Putain de magma! Oh! J'ai envie de crevette! Allez, Ashi à la rescousse. Ça ne servit à rien. Allez. Au moins on en a fini avec elle. Oh même pas. My bad. Salut Almadio. T'as combien d'heures sur Hades par curiosité? 130 par là. Bon, c'est un peu la merdouille les amis. Il va vraiment falloir qu'on atteigne Patrocle et surtout qu'on le trouve. Sachant qu'en plus je suis pauvre. Alors, en parlant d'être pauvre. Qu'est-ce que j'ai? Bon, je pourrais me débarrasser. Pauvreté cupide. Est-ce que c'est possible de revendre les boons de Chaos? Je sais même pas. Parce que là, je vendrais bien Technique Brisker. Mais je tenterais bien Reroll aussi. Non, c'est pas possible? Ah ouais, donc Technique Brisker. Ça fait deux fois que je le revends. Pauvre Afrofro. À croire que personne ne l'aime. Par contre, c'est bon, j'ai pas beaucoup de vie. Enfin, de PV Max. J'ai dit bonjour, Milwaukee. Je sais pas. Ah ouais, j'ai quand même 155 PV, c'est pas beaucoup, hein. Vas-y, on va chercher la thune. Oui, pas de dédale, je sais, je sais. Ne soyez donc pas trigger. Vous saoulez, là, avec vos shields. Au niveau du temps, je suis pas trop mal, ça va. Hein. 14 minutes au chrono. On est bien. Oh, mais quelle nouille, hein, je suis. Il y a encore Chaos. Décidément. Aïe. Bon, c'est Chaos ou quoi? Ou clé ou obsidienne? Je vais le regretter. Je vais le regretter, vous allez voir. Bah, je prends des corps sur Prosper parce que c'est le plus safe. Parce que là, j'ai... je sais pas combien de PV j'ai, je dois en avoir 40. Torture agressive...
C'est signé mon arrêt de mort, donc on va prendre écorchure prospère. Ah voilà, j'ai qu'à... Oh non! Il est là! Oh my god! Oh, let's go! Salut les amoureux. Par contre, je peux pas donner de... quoi que ce soit. Well, if it isn't the ward of Achilles, come to visit us. I don't know how I can ever repay you, stranger. I'm quite sure that it isn't possible. I reached more or less the same conclusion, Pat. Pat! Oh, Pat, il l'appelle! How about you just keep offering me those premium goods you have no interest in when I pass through, and we can call it even, sir? That I had plans to do regardless. Le Patroc, le plus worst histoire de fou! If you think of something else at any point, please do let either of us know. Eh bien, le baiser du Six prestige! Thanks, sir. Oh là là, ça fait plaisir. Hein. Ça a régal. Bon. On a le choix entre Caron et dépenser de la thune. Ou Zeus, mais avec une possibilité de rencontrer Astérion. Moi, je pense qu'on va jouer safe. On va aller chez Caron. Ouais, tant pis. Hein, je suis une pigeonne, je paye, mais bon. Au moins, on reste en vie. Thank you, mate. Thank you, mate. Might. Bah, je prends le tir. Allez. C'est chiant. J'aimerais bien choper Aphrodite. Enfin... Vas-y, on prend le risque. Oh, mais il était là, lui. J'aurais dû faire l'inverse. Putain. Mais on va le fumer, on va le fumer, vous inquiétez pas. Même pas peur. Ah, je peux pas utiliser ma technique. C'est vrai. Je comprenais pas pourquoi j'avais pris des dégâts. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était prévisible. Non, mais putain, faut que j'arrête avec ma technique. Ouf, j'aurais jamais dû tenter de faire mon balayage. Vraiment la pire des connes. Y a pas à dire. Hein. Ah, y a pas à dire, je suis vraiment une énorme conne. Voilà. J'ai gaspillé un Patrocle qui m'avait pourtant été servi sur un plateau. Chose, hein, Pardon? Pardon? Comment il m'a touché? Il est passé à moitié à travers le pilier là. Je suis abattue. Patrocle, reviens! Non! Je suis dégoûtée. Pourquoi j'ai été con? Pourquoi j'ai gridé là? Ça pour avoir la vieille technique d'Aphrodite là. On s'en fout. Ah, que des mauvaises décisions, hein. Vraiment. C'est affligeant. Je suis pas capable de prendre une bonne décision dans ma vie, quoi.
Oh là, oula, 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 oula. Un peu le merdier. C'est, ça va être la fin d'un parcours là, hein. Putain. J'ai envie de chialax. Tristesse, les amis. Tristesse infinie. Ouais, bah de rien. Bon. On va faire le point. Hermès, il manque un cœur. Dommage, j'ai loupé de lui donner de l'ambroisie tout à l'heure. Achille, un cœur. Et Patrocle, deux cœurs. Mais Patrocle, j'ai l'impression que Patrocle, quand il est accompagné d'Achille, on peut pas lui donner de l'ambroisie. Donc, un autre jour, quoi. Ouais, back again, ouais. De rire, Hypnose. And all that stuff she told the Olympians about how they bind you to this place, it's all nonsense. You know full well that the pomegranates in my realm hold a certain power beyond the tartness of their taste, boy. The queen, she has a way with plants, you see. A bit of her own mother's gift, applied more sensibly. You kept them growing all this time, flourishing even because of her. They are very easy to maintain. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Ça lui refait. It's awfully quiet whilst you're not around. Still rather quiet now. Bah, hésite pas à jouer un peu de musique, hein. T'es là pour ça, après tout. Oh, hi. Hey, hello. Tusa, I can't shake this feeling, so I wanted to apologize to you, because I think when we first met, I just... I don't think I took it the right way. I never had a fan before. I wanted to live up to your idea of me. J'ai jamais eu de fan avant Douza, donc tu comprends, j'ai un petit peu overreact quand on s'est croisé, quoi, pour la première fois. T'as réussi à maîtriser la lyre? Ouais, on l'a fait aujourd'hui. En vrai, on a quand même bien avancé sur le lore aujourd'hui. Oh, Prince, Zacharias, don't worry about that. Even I didn't know what I was going through. When I first started working here, I was just so impressed with you. I mean, you were the only one who would stand up to your father. I thought about you all the time. But you didn't even know me yet. We didn't get to talking for what seemed like ages. You can be difficult to find, since I can't fly up to the rafters like you can. Well, I'm so glad you kept trying to talk to me. If you hadn't, I'd probably be up in the rafters still, building up this idea of you that's not even as good as the real thing. Oh, thank you, Dusa. Moi. Cooking's one way to pass les poissons. Oh, 500 obsidiennes quand même, hein, la calamitrée. Hein. C'est worse, hein. 200 gemmes pour un sang de titan. Pourquoi pas? Merde. Give me the current special. Salut mes deux mamounettes préférées. J'ai l'impression que le chat il bug de fou, hein. Ça me fait des refresh depuis tout à l'heure, c'est trop bizarre. Je sais pas si ça vient de Twitch ou si ça vient de moi. Très chelou. Ok. Achille est là. Ah ! Achille ! La dernière ambroisie ! Here, sir. To you and to Patroclus. May the remainder of eternity more than make up for everything it took for you to come this far. Oh, thank you, lad. Prince. Zagreus. You really oughtn't have. In fact, I shall accept this from you once again, but not a bottom war. Really? I mean, I meant no offense, of course. It's just, I thought you enjoyed this stuff, no? We do enjoy it, quite a bit, in fact. But in Elysium, it's something to be earned more than accepted, and, well, perhaps in being there, a bit of our old pride is coming back. Well, good. You have much to be proud of, Achilles. You're a great warrior, a great instructor, a great friend. If indeed I have something to be proud of, lad, is that someone such as you can say a thing like that to me and mean it. I mean it.
Waouh! On a terminé avec Achille, trop bien! On a grave avancé avec Achille aujourd'hui en vrai. Je crois qu'on a fait 3 coeurs, un truc comme ça, non? Je sais plus. Mais on a grave bien avancé. Hein. Personne dans ma chambre, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein, coquinette? Elle veut quoi? La potato, là? Bon, les amis, je pense pas qu'on va se relancer sur une dernière run. En vrai, j'ai très faim et j'ai chaud. Mais c'était cool. Franchement, on a grave bien avancé. De toute façon, il nous reste... Voilà. Il nous reste... Hermès. On a une ambroisie à lui donner. Patrocle, deux ambroisies. Et après, on aura terminé avec, avec tous les personnages. On aura terminé tous les persos, on sera max avec tout le monde. Bien sûr, la dernière étape pour moi, ce sera la chaleur 32. Mais après, une fois qu'on aura terminé ça, bah, j'aurai entre guillemets plus grand chose à faire. Sauf s'il y a d'autres trucs qui se déclenchent après et que je ne soupçonne pas. Mais voilà, les prophéties, il m'en reste quelques-unes, mais c'est pas grave. Je compte pas spécialement, je suis pas dans l'optique de particulièrement les terminer. Pareil, les objets de la maison, il m'en reste encore plein, mais c'est pas grave. Les grades, n'en parlons pas. C'est le sujet tabou. Hein. Et donc non, déjà, quand on aura fini avec toutes les affinités de tous les persos, bah, ce sera déjà très très bien. Ce sera déjà une grande victoire. Et on se laissera ça bah, pour une prochaine fois. Et je pense que... Bon, peut-être pas la chaleur 32, mais en tout cas, on aura... certainement terminer le lore de tous les personnages pour la prochaine session. On s'approche un petit peu doucement mais sûrement vers la fin de ce let's play de Hades, les amis. Hein. La fin d'une ère. Après peut-être qu'on refera des runs une fois de temps en temps. Notamment par exemple si je veux tenter de faire la chaleur 32 ou quoi. Parce que en vrai, si on arrête Hades de manière récurrente, peut-être que je tenterai de temps en temps, moi-même, de mon côté, de faire... de trade un peu la chaleur 32, mais... j'essaierai de la réserver pour vous. De faire une run chaleur 32. Imaginons, voilà, on arrête Hades parce qu'on a terminé un peu plus ou moins ce qu'il y avait à faire. Mais la chaleur 32 n'est pas encore faite. Moi, de temps en temps, je traîne un peu de mon côté. Puis un beau jour, tu vois, j'ai maîtrisé chaleur 30. Allez, chaleur 28, je suis super, super chaude dessus. Un beau jour, je lance un petit stream Hades. Je dis, écoutez, je pense que c'est pour aujourd'hui la chaleur 32. It's now or never. Mais ouais, du coup, peut-être que la prochaine session, ce sera la dernière. La terre des terres. On va avoir un live sauvage pop à 23h en no cam. Chaleur 32. Peut-être, hein. Qui sait. Mais ouais, peut-être, voilà. Prochaine session Hades, ce sera la last. Qui sait. Après, je dis toujours... À chaque fois que je dis la last, c'est jamais la last. Hein, je me jinx toujours. Tout ça pour nous dire un jour, j'ai fait chaleur 32 hier. Non, j'oserais pas lancer une run en chaleur 32 solo. À la limite, chaleur 30, pourquoi pas. Je pourrais vous dire un jour peut-être, waouh, j'ai réussi chaleur 28 parce que j'ai voulu me train et tout machin et j'ai réussi. Mais chaleur 32, j'oserais pas lancer la run sans vous. Non, c'est trop important, trop important. Enfin bon, écoutez, on va s'arrêter là. Comme je vous ai dit, j'ai faim, j'ai chaud. J'ai besoin de m'oxygéner. Mais c'est très cool. Ça nous a fait une belle session, franchement. On n'a pas fait que des wins. Mais en tout cas, d'un point de vue du lore, on a réussi à grave bien avancer. Et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Donc c'est cool. C'est moi ou la... C'était bizarre, là. J'avais l'impression que la cam laguait, mais non.